Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je voudrais vous donner le meilleur des conseils pour avoir les plus beaux concombres. Les plus beaux concombres. Regardez là, le concombre ici. Bon là j'ai à côté, j'ai un... Je vais le retirer lui. Regardez, j'ai un petit pied de stupide, c'est là, regardez, à côté de l'échalote. Beau pied de concombre que je viens d'accrocher. Bon alors... Quel est le meilleur engrais qu'on peut fournir à votre pied de concombre? Voilà. Alors, après avoir travaillé un petit peu votre terre, tout simplement comme ça, eh bien, le meilleur engrais que je peux vous soumettre, c'est un bon compost, bien pourri comme ici. Voilà. Alors, non seulement ça va vous garder un petit peu l'humidité, parce que c'est très riche en humus, choses comme ça. Et donc votre terre, elle sèche moins vite. Voilà. Et ça, c'est le meilleur des apports nutritifs pour avoir des bons concombres et réussir votre culture. Voilà, moi, je suis en train de les faire. Vous voyez grimper. Regardez, ils se forment déjà là. Ici, il y en a un petit. Alors là, c'est les concombres variété hollandaise, les amis. Allez, on va faire celui-là. À côté, si vous voulez, les amis. On va attaquer le deuxième maintenant. On va attaquer le deuxième. Alors, toujours la même chose. Ici, vous nettoyez un peu. Alors, les toiles de jute à côté, les amis, c'est parce que on vient de semer des haricots à rame. Voilà. Alors ça, pour vos concombres, c'est la meilleure des solutions. Alors, le bon terreau avec du compost. Et regardez, quand vous avez du bon compost, regardez, il y a plein de vers dedans. Plein de vers. Super. Super. Ça, c'est que c'est du bon. Alors, je vais en mettre un petit peu à l'huile là-bas aussi. Voilà. Alors, les amis, les concombres. Quand est-ce que on peut semer les concombres? Je dis aux alentours du 20 avril. Du 20 avril, c'est super bien. Et comme ça, vous les mettez en pleine terre. Voilà, vous pouvez les faire ramper. Vous pouvez les accrocher comme ici, là, carrément, ils vont monter carrément sur mon grillage. Avec mes haricots à rame, c'est pas un problème, c'est pas un souci, hein. Je vous dis, le concombre, ce qu'il aime bien, c'est les arrosages réguliers. Alors, ce sont concombres hollandais. Alors, si vous faites pas des arrosages réguliers, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il risque de devenir quand même un petit peu amer. Faut des arrosages réguliers surtout. Voilà, les amis. Bon, j'en ai encore un là-bas. J'en ai encore un là-bas, vous voyez. Alors, est-ce que celui-là, je pourrais l'accrocher? Oh, ouais, si, je pourrais l'accrocher. Il faudra que j'aille chercher une ficelle. Un petit peu de compost. Vous voyez, vous travaillez comme ça même avec votre main. Alors, de manière, il va aller le chercher, hein. Vous l'enfoncez un peu. Voilà, vous pouvez donner un petit coup de binette, mais très très léger, hein, parce que les racines sont vraiment très proches. Et lui, on va aller l'accrocher un petit peu aussi à ce grillage. Alors, les amis, le concombre, il est sensible comme d'habitude, comme les courgettes, comme les courges, il est sensible à l'oïdium, c'est-à-dire à l'excès d'humidité. Et d'ailleurs, ce qui arrive souvent, c'est que à la fin de saison, c'est-à-dire bah, fin août, début septembre, bah, vous avez les feuilles qui commencent à blanchir un petit peu. Bien, c'est l'oïdium qui arrive. Vous voyez? Alors un petit peu, on le fait monter tranquillement. Voilà, on lui un petit peu à la fois, il va grimper et on va l'accrocher comme ça au fur et à mesure. Alors, vous savez qu'on peut le tailler, mais moi je ne le taille pas, je le laisse. J'en ai quatre ici sur le grillage et j'en ai également trois dans la serre. Voilà, que je fais grimper avec des ficelles. C'est la première fois d'ailleurs que je fais en l'extérieur sur le grillage, parce que je voulais faire mes haricots à rame là. Hein. Voilà les amis. Voilà. Attention les carottes là, les carottes. Ouais, les carottes. Les dernières carottes, regardez, sont belles. Hein. Là, je vais pouvoir commencer bah, à éclaircir
éclaircir les carottes. Démarrer, comme disait mon grand-père, démarrer, éclaircir les carottes. Il faudra laisser une carotte tous les 5 cm. Et là, c'est un petit peu trop dru, les amis. Oh, les belles salades, ça fait plaisir. Bon, bah, les amis, surtout, nourrissez bien. Et vous n'avez pas de compost, bah, vous avez en jardinerie des très bons engrais à base, un peu comme des engrais que vous pouvez arroser également ou donner à manger à vos tomates, riches en potasse, bah, c'est très très bon pour les concombres. Alors c'est du sang séché, des arêtes de poisson broyées, tout ça, c'est très très bon pour le jardin, pour les concombres, pour les tomates. Vous avez des produits naturels, bien sûr vendus dans le commerce. Prenez surtout des produits naturels. Allez, je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est il y en a 3 d'accrochés sur 4. Et puis là, on les a bien nourris au compost, les amis.